Good afternoon, 47. Your target is Howard Moxon, an international antiquities trader who specializes in selling priceless art to finance terrorist organizations. He is currently involved in the sale of the Ivory White, a filigree egg looted during the Second World War. The client has requested that you both eliminate the target and locate and retrieve the original Ivory White. This priceless artifact is most likely in one of the museum's safes. The clock is ticking, 47. Good luck. Et salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr, donc qui est mon blog. Donc voilà, on est de nouveau dans Hitman avec la nouvelle cible fugitive qui s'appelle le courtier, The Broker en anglais. Donc aucune contrainte d'assassinat ni de déguisement. Notre homme s'appelle Howard Moxon et on a un objectif secondaire. Il s'agit en fait de récupérer un blanc d'ivoire qui est un œuf en filigrane provenant d'avant la révolution russe. Son dernier emplacement connu est le monastère Novodonskoy où il fut stocké auprès de d'autres trésors de l'ère tsariste. Quand le monastère fut capturé durant la progression des nazis vers Moscou, le blanc d'ivoire disparut et fit ensuite partie d'une collection privée après la guerre, où il devint une sorte de mythe parmi les collectionneurs. Bien qu'il n'eût jamais été mis aux enchères auparavant, des objets similaires ont rapporté plus de 20 millions de livres. Voilà. Donc on doit le voler tout simplement, ainsi que tuer notre cible. Alors au niveau préparation, j'ai pris une seringue moderne mortelle, le silver baller. Au niveau costume, bah, je vais peut-être prendre finalement autre chose. Alors, bah, on va s'amuser à se prendre un petit costume de Blood Money. Ouais, ou même pas, tiens, le costume d'hiver, c'est plutôt pas mal. Voilà, le costume d'hiver. Ensuite, du coup, j'ai pris aussi, donc je garde la corde à piano au cas où, j'ai pris charge explosive télécommandée parce qu'on en aura besoin pour déverrouiller bah, la porte justement du petit placard où est caché le blanc d'ivoire. Donc c'est le même genre, vous savez, le genre de petit placard qu'on crochette comme on a eu le droit avec la télécommande pour les contrats escalade où on devait par rapport aux mines, par rapport aux explosifs là des. Comment? Enfin je me comprends. Les rayons laser qu'on devait éviter, là, qui étaient dans les encadrements de portes et tout. Je sais pas si vous vous souvenez de ces contrats d'escalade. Enfin bref, voilà, donc ça c'est le, comment ça s'appelle, c'est le, voilà, c'est donc ma préparation. Donc je commence direct sur le tapis rouge, ou même pas, je vais peut-être finalement choisir comme point d'entrée les enchères. Et voilà. Donc du coup, on recommence en préparation, on a la seringue moderne mortelle, le silver baller. Du coup, en déguisement, eh ben, on a le smoking par défaut, parce qu'on a le lieu de départ infiltré aux enchères. La corde à piano, les charges explosives télécommandées. Par contre, aucune pièce de monnaie, donc va falloir en récupérer sur place. Allez, c'est parti. On lance le contrat. Donc voilà, pour rappel, bien sûr, si 47 meurt durant la mission, vous ne pouvez pas recommencer le contrat. Si vous avez un problème de réseau, comme ça m'est déjà arrivé, vous ne pouvez pas recommencer le contrat non plus. Si vous faites la bêtise d'abandonner et de revenir au menu principal du jeu, impossible de recommencer. Donc voilà, je tiens quand même à préciser ces petites choses qui sont assez importantes.
Good afternoon, 47. Your target has been spotted on the ground floor and should be easy enough to recognize. We have not yet discovered the location of the Ivory White, however. Good hunting, 47. Knowledge without power is just ivory tower navigation. Have fun. Power without. Donc là, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est que comme je sais où est caché le blanc d'ivoire, on va déjà y aller maintenant. Ah, j'ai quand même eu du pot parce que les portes elles se fermaient pas. Donc. Alors là. Tac. Voilà. Ah mince, il y a la miss. Alors, du coup, je vais pas pouvoir crocheter tout de suite. Bon, bah c'est pas grave, on va attendre qu'il s'en aille. Hein. De toute façon, le truc est juste là. Le coffre-fort, c'est pas, je sais pas pourquoi je disais un placard, moi. Maintenant, à savoir où est notre petit bonhomme. Bon bah si, ça serait bien qu'ils mettent pas trop de temps à partir quand même. Dahlia, Camille is in position at the fashion show. So, who's the mark? Julia Wayne, the actor. Camille is just his type. She's got that Ada Lockheed look. Hmm, Wakefield's old girlfriend. Clever. And how will you guide Wakefield into her path? Wakefield only drinks a particular brand of smoked whiskey. I made sure that all the bars are out, except for the one that Camille happens to be standing at. I sincerely hope I never get on your bad side, Dahlia. So, Wakefield is a member of that descendants, is he? Is that who we're targeting? Alors 47, on rentre bien dans la peau de son personnage de garde du corps. I have clients who would pay a lot of money to know what's going on inside that temple of theirs. See, Wakefield's fame will push him right into their inner circle. And if everything goes according to plan, Camille will be right there. What's your story?
Good plan. I'll keep you updated. Alors, on pense s'en occuper. Et voilà le travail. Donc là, ce qu'on va faire... Donc là, on va descendre. Tourne la tête, puis à un moment donné, ou pas? Et voilà le travail. Donc là, on va aller voir où se trouve notre petit bonhomme. Ah, tiens donc. Tiens. Te voilà, toi. Donc, il me semble qu'il y a des pièces là-bas. Donc deux pièces, ça suffira amplement pour ce que j'ai à faire. Mince. Où est-ce qu'il est du coup? Alors je vais aller chercher ma seringue aussi. Je vais en profiter. Où est-ce qu'il est? Ah ben toi tu fais d'aller-retour sans arrêt. Ah! Commence à faire chier celui-là, tu le suis. T'es casse-pied toi.
Où il va, notre ami, là? Hop, don't mind me here. Right now. Now what's going on? Attends, voir. Ah non, mais c'est... C'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Alors du coup, moi j'ai appuyé, je suis un peu bête parce que j'ai appuyé sur, sans faire exprès sur le bouton de ma manette. Hein. J'ai tenté un truc à l'arrache. Oh, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça, c'est pas bon du tout ça. Non, déconnez pas les gars. Eh mais... Eh bah dis donc. Bon, j'ai réussi mais j'aurais pas le... Oh merde! Ah oh, la vache, merde! Ah là, je me suis chié dessus là. Ouais, c'est bon, j'ai changé un vêtement en cours de route. Voilà, je risque pas rien. Bon, bah c'est dommage parce que ça, niveau assassin silencieux, je me suis un peu chié dessus. Et ben tant pis, c'est pas grave. Hein. Ouais, j'ai fait. C'est pas souvent, c'est même assez rare. Ça, c'est même assez rare que ça m'arrive, mais bon. Le principal est d'avoir quand même réussi de tuer la cible, quoi. Voilà, voilà. Ah, du coup, ouais, bah oui, du coup, le score, il... le score est pas terrible, terrible, hein, voilà. Mais bon, le principal, c'est d'arriver à ses fins. J'ai voulu tenter un truc. Avec certaines cibles, ça aurait marché à cet endroit-là, le coup de la seringue, mais avec lui, non, parce que finalement, le... Bah... Ouais, non, finalement, ça a pas marché, parce que bah, je pense qu'il avait gagné en terrain, le garde du corps. Ah ouais, moi, je pense qu'il a vu au loin... Ouais, je pense qu'il a vu au loin le ward tomber, et puis du coup, bah, forcément, c'est... Voilà. Bon, c'est dommage. Je me suis peut-être un peu trop précipité, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est d'y arriver. Les objectifs principaux sont remplis. Voilà. Écoutez, moi, je vous dis... Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même, parce que j'ai trouvé... je me suis quand même bien marré. Parce que c'est d'habitude, j'ai quand même, vous avez remarqué, j'ai en général un rang assassin silencieux, quoi, pour toutes les cibles fugitives. Ainsi que la plupart des contrats que j'ai pu montrer en vidéo. Bon, bah voilà, ça arrive de temps en temps de se rater, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que j'ai réussi à tuer la cible. Et puis, bon, voilà. C'était rigolo.
C'était rigolo. Bon bah écoutez, on se retrouve bientôt pour la version Xbox One. J'espère faire mieux justement. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour la version Xbox. Allez, merci à tous. Allez, ciao. Eh oui, c'est encore moi, donc après avoir bien rigolé avec, avec ma vidéo, donc voilà, je tenais à m'excuser, voilà, je m'excuse pour la simple et unique raison qu'il n'y aura pas de version sur Xbox One, car j'ai eu un problème de réseau, et là, par contre, je sais d'où ça vient, car c'est mon boîtier internet, donc, voilà. Donc ça c'est des choses qui peuvent arriver, du coup la cible est considérée comme ratée et je ne peux pas la recommencer. Voilà, c'est pas de chance, c'est comme ça. Donc voilà, je vous remercie encore de me suivre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de jeu qui justement sera normalement le deuxième colosse de Shadow of the Colossus. Allez, je vous dis à bientôt les amis, profitez bien. Et amusez-vous bien. Allez, ciao.